Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Vice, le nouveau VST de la série Beatmaker de chez Ujam qui va nous fournir des drums orientés années 80, bien old school. Pour avoir accès aux infos de Beatmaker Vice, il vous suffira simplement d'aller sur le site de Ujam, donc www.ujam.com. Ensuite, vous allez faire un tour dans les instruments, rubrique Beatmaker. Vous allez avoir la liste de tous les modules Beatmaker qui ont été créés, dont Vice. Donc ça va être un module qui va nous émuler les différentes boîtes à rythme des années 80. Donc c'est un VST qui va fonctionner en 64 bits uniquement sur quasiment toutes les DAW du marché qui acceptent le 64 bits au format AAU, AAX et VST. Donc à l'intérieur, vous allez avoir 10 kits de batterie, 12 pré-réglages pour le mix, 30 styles différents de formes de jeu et 690 motifs différents de jeu. Vous allez avoir, comme sur les autres modules de la série, l'option glisser-déposer pour pouvoir récupérer les partitions MIDI du séquenceur de Vice pour les importer dans votre séquenceur hôte. Donc c'est un excellent module avec un son vraiment très particulier, c'est extrêmement bien fait. Ceux qui s'intéressent à tout ce qui est synthwave ou qui veulent tout simplement avoir des sons des années 80 sans trop se prendre la tête, c'est vraiment un excellent investissement. Donc au prix de lancement, il est à 49€ directement sur le site de Ujam. Sinon, vous pouvez aller aussi sur le site de Plugin Boutique où il va être à 48,99€. Vous allez avoir les petites informations comme d'habitude. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à aller voir comment ça se passe dans Reason. Donc on se retrouve directement dans Reason où j'ai créé un morceau orienté synthwave avec un petit côté Daft Punk en utilisant un Vice ainsi que Sparkle guitare de chez Ujam. Donc on va aller voir ça directement dans le rack et on va s'écouter un petit extrait de la chanson. Si vous voulez la réécouter de façon plus approfondie, allez déjà sur ma chaîne YouTube dans la playlist que du beatmaking. Donc en fait, j'ai utilisé un module de Vice qui va déclencher toutes les drums en utilisant les phrases du séquenceur interne de Vice. J'ai utilisé une sortie séparée pour avoir mon kick tout seul pour pouvoir l'utiliser pour faire du sidechain avec la 808 que j'ai utilisée. Ensuite, j'ai utilisé différentes instances de BIT, donc en tout j'en ai utilisé 1, 2, 3 modules BIT et un module au repas pour créer mes sonorités synthétiques. Au niveau de la distorsion, j'ai utilisé Aeson de Soundspot pour pouvoir mettre la distorsion sur ma 808 et Trackspacer pour pouvoir faire mon sidechain avec le kick. En ce qui concerne les synthétiseurs, étant donné que c'est un beat qui est relativement régulier, j'ai utilisé Pumper avec un preset directement, et ce qui fait qu'en fait, sur tous les temps, je vais avoir un sidechain pour donner un peu plus de pêche au morceau. Et quand on écoute tout ça, ben ça donne ceci. Après, en ce qui concerne le module Sparkle de chez Ujam, donc j'ai utilisé des phrases
de guitare déjà préenregistrée dans le logiciel. Ensuite, il n'y a plus qu'à jouer avec notre clavier pour pouvoir séquencer des séquences de phrases cohérentes par rapport à ce qu'on veut faire. On peut aller très loin dans l'édition avec les logiciels de chez Ujam et c'est vraiment fait pour jouer de la guitare au clavier. Pour modifier le son du VST, j'ai utilisé Axiom de chez Blue Cat Audio. Donc c'est un super VST d'émulation d'ampli et de pédale de guitare. On peut vraiment faire de très très bonnes choses avec. Donc là, j'ai un ampli classique clean avec un effet wah-wah qui est émulé par cette petite pédale, comme on voit ici, avec un mode automatique. Et par-dessus, pour avoir l'impression que la guitare chante, j'ai tout simplement mis un VST Toolbox de la collection Creative de chez Air Music Technology. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va se pencher un peu sur le cas de Vice, la star du jour. Donc c'est ce VST. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Voilà. Donc d'une très jolie couleur. Les finitions des VST de chez Ujam sont vraiment très bien faites, surtout dans la V2. Donc en fait, comment ça se passe? Ici, en haut, on va avoir la Factory Soundbank avec pas mal de presets. Il y en a énormément, un peu dans tous les styles. Ensuite, ici, on va avoir la partie kit de Drum Machine avec 10 kits différents. Mais en fait, ils nous disent 10 kits. Mais une fois qu'on se pose sur la partie instrument ici, vous allez voir que par exemple, en ce qui concerne ma grosse caisse, si je veux, je peux interchanger avec des grosses caisses de différents kits présents à l'intérieur. Ensuite, on peut jouer sur le decay, le pitch, les filtres. Bref, on peut se créer directement pour chacun des instruments un kit vraiment comme on en a envie. Donc, il suffit de sauvegarder ses propres presets, de personnaliser tous les éléments de batterie. Vous les sauvegardez et vous pouvez vous créer une multitude de drum kits vraiment très orientés années 80, puisque c'est le but de ce VST. Donc là, l'effet est retiré. Ce que je vais faire, je vais me mettre en latch et on va s'écouter un peu le style de kit qu'on a à l'intérieur. Donc je vais me mettre sur le premier corps. Néon, Sting, Indigo, Vice, Rad, Turbo, Diamond, Thunder et Mega. Donc là, voilà en ce qui concerne les différents kits. Ici, on a toujours notre fader pour pouvoir soit isoler la snare pour conserver le kick et le reste de la batterie, ou alors conserver la snare et isoler le kick de la batterie. Donc en fait, ça va nous donner un délire comme ça. Là, j'ai que la snare avec le reste de la batterie, on n'entend plus le kick. Et là, c'est l'inverse. Et vu que ça marche avec la molette de pitch bend et qu'on la relâche, ça revient automatiquement. Ensuite, ici, on va avoir l'effet Time Machine, comme ils disent, qui va nous permettre de passer des années 80 aux années 2080. Donc si on réécoute ça, on va voir un peu l'effet que ça donne. En gros, voilà, faut jouer avec pour trouver le son qu'on a vraiment envie. De ce côté-là, on va avoir la partie mix, donc ça va nous donner différentes possibilités et différents styles de mix pour nos kits de batterie. Donc on va voir ce que ça donne. Je relance ça.
Donc là, on est en power. Evanescence. Sway. Echo. Cyber. Gigawatt. Beam. Arcade. Élégant. Drive. Voilà. Alors, bien sûr, chacun des modules peut être utilisé soit directement à partir de votre clavier maître en éléments séparés, et donc ça va vous permettre de créer vos propres patterns à l'intérieur du séquenceur interne de votre logiciel, ou alors vous allez pouvoir déclencher différents styles de phrases musicales. Donc si on part de C3, on va avoir d'abord les versets, donc ça va nous donner un délire comme ça. Ensuite, on va avoir les chorus qui vont nous donner quelque chose comme ça. Après, on va avoir les phrases spéciales. Et enfin, un bouton stop pour que lorsque vous créez par exemple une pattern de 4 mesures, si vous voulez que le son s'arrête à un moment, vous avez juste à appuyer sur la touche stop, ça va l'enregistrer et comme ça votre pattern va s'arrêter. On peut vraiment tout automatiser. C'est vraiment bien fait. Donc une fois que vous avez choisi le kit qui vous intéresse, l'effet de mix qui va vous intéresser, que vous avez fait votre réglage d'amount ou de départ vers le futur ou passé, vous pouvez choisir parmi les différentes phrases qu'on va avoir à l'intérieur du logiciel. Je me remets en latch pour pouvoir déclencher mes phrases juste en mettant une petite pichenette sur mon clavier maître ou directement sur la touche. Voilà. Quand on est sur les touches noires, on va avoir des intros, des fills, des endings et des breakdowns. Donc en gros, si on veut voir ce que ça donne, on va partir de ça. Là, c'est un ending. Voilà. Faire quand même énormément de choses avec toutes ces phrases musicales. Bien sûr, comme sur tous les modules de la version 2 de la série Beatmaker de chez Ujam, en cliquant directement ici, là où on a les petits points sur chacune des touches, on peut récupérer le clip MIDI qui va correspondre à la phrase musicale et l'importer directement à l'intérieur de notre séquenceur pour pouvoir retravailler le clip directement. Et donc là, on va se retrouver directement avec toute la part MIDI. Et voilà,
Ensuite, si vous voulez modifier des choses, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de programmer des drums, ça peut faire une base et ensuite vous pouvez jouer avec comme vous en avez envie. On va retourner sur le VST. Donc, pour chacun des instruments, ici, donc kick, snare, on va avoir les réglages de volume, d'équerre, pitch et filter. Donc le volume, le decay. Donc on va jouer sur la taille en fait de l'échantillon, le pitch. Et on a un filtre. Donc ça, on le retrouve sur tous les instruments. Bien sûr, si par rapport au kit qu'on a choisi, le kick ou bass drum ne nous plaît pas, donc là par exemple j'ai celui-ci, rien ne m'empêche d'aller en chercher un autre. Après, on va avoir un bouton solo, un bouton mute et l'option pour pouvoir choisir si on laisse le son sur la sortie master ou si on passe sur la sortie individuelle. Si on passe au niveau des sorties individuelles, hop, à l'intérieur du VST, il va falloir affecter la piste faisant router vers une nouvelle voie de mixage et dans les autres DO que résonne, il y aura de l'adressage audio à faire à partir des pistes. Mais dans tous les cas de figure, il y a possibilité d'avoir les sorties séparées pour chacun des éléments, mais ce qui va entraîner qu'on ne pourra plus bénéficier en fait des effets internes de l'appareil. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai fait, j'ai juste sorti mon kick, je l'ai reboosté pour lui redonner de la patate, et pouvoir m'en servir pour le sidechain et tout le reste de la batterie. En fait, j'ai profité déjà du pitch et filtre affecté à chacun des éléments. Et ensuite, on a un filtre général, un potentiomètre de saturation pour l'ensemble du VST, un maximiseur déjà sur l'ensemble du VST, ainsi qu'un bouton d'ambiance qui va correspondre à une reverb et qu'on va pouvoir modifier en fonction de ce qu'on veut faire. Donc si on regarde ce que ça donne, c'est vraiment relativement bien fait et on peut quand même aller assez loin dans le délire avec le VST. Donc bien pensé, lorsque vous utilisez les sorties séparées, vous ne pouvez plus bénéficier des différents effets qu'on a à l'intérieur. Ici, on va avoir aussi l'effet micro-tuning pour pouvoir diviser ou multiplier par deux la vitesse du pattern ou alors directement la mettre au même tempo que le séquenceur haute. On a le slack, donc qui va nous permettre de donner un peu plus de vie au pattern de la drum machine. Et on aura fait à peu près le tour. Donc quand vous êtes directement dans la factory Soundbank, vous allez avoir pas mal de presets avec des réglages déjà faits.
En gros, voilà pour ce VST Vice de la série Beatmaker de chez Ujam. Moi, personnellement, je suis fan des produits Ujam, que ce soit Melo pour la basse ou toute la série Beatmaker qui est vraiment excellente, je trouve, avec la possibilité de récupérer les phrases MIDI, d'avoir sorties séparées. Il y a moyen de faire d'excellentes choses avec ce type de VST. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour le prix de lancement de ce VST, il va être à 48,99€, donc 49€ sur le shop de Plugin Boutique, ou directement à 49€ sur le shop de chez Ujam. Donc, je vous laisserai aller lire sur le www.ujam.com toutes les informations sur les différents VST de la série Beatmaker. Donc vous avez tout cela. Vous avez aussi la série des batteurs virtuels. Donc là, on va dans instruments. Voilà, on va faire un petit tour. Donc vous avez les VST de basse. Donc toujours sur le même principe avec des phrases préenregistrées. Vous avez les guitaristes virtuels. Donc toujours pareil avec des phrases de guitare, des phrasés de guitare préenregistrées, des VST de drum comme le FAT que j'ai déjà présenté. Donc ce module est orienté hip-hop et funky qui est vraiment très très bien fait. Avec les sorties séparées, pareil. Ensuite vous avez Iron, Humber, bref, il y a vraiment de quoi faire dans tous les styles. Silk, je vous l'ai déjà présenté aussi. Donc tous ces VST sont vraiment excellente qualité et vous pouvez faire vraiment d'excellentes choses avec. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si vous ne connaissiez pas, je vous invite à aller essayer les VST parce que vous avez des versions d'évaluation que vous pouvez tester avant d'acheter. Donc toute la série Beatmaker est vraiment très bonne. Si vous cherchez des guitaristes virtuels, pareil, donc avec Sparkle, Silk et compagnie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Laissez-moi vos commentaires si ce type d'outil vous intéresse ou si le morceau vous a plu. Laissez un commentaire sous la vidéo du morceau. Sinon, tous les liens pour soutenir la chaîne se trouvent dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut!